y a aussi un souvenir que j'ai particulier, c'était. Alors, ça, c'était avant l'arrivée de Jean-Henri. C'était Jean-René Arnoux qui était président du Carrois. Et c'était la création, alors c'est dans les années 80, à l'ouverture de Coppelia. On allait inaugurer sur une soirée, une ouverture de saison ou une soirée culturelle, je ne sais plus. Et on avait eu les sièges qui étaient livrés sans être floqués. Tu sais, il n'y avait pas la lettre et le chiffre correspondant au rang et au fauteuil. Et j'ai aidé Jean-René à mettre 650 gommettes sur les fauteuils pour mettre la lettre et le numéro. Ça ne s'invente pas. Une rencontre aussi qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, c'est quand j'ai été adjointe à la culture, parce que j'avais sous ma houlette, évidemment, l'école de musique, le cinéma, la bibliothèque et le Carrois. Et au cinéma, c'était Jean-François Bouvier. Ça, vraiment, c'était un grand monsieur. D'une humilité et d'une culture et vraiment d'une gentillesse et vraiment extraordinaire.